là. Flashwood, c'est l'histoire de plusieurs personnages issus de la banlieue. Ils se rencontrent et se questionnent sur leur avenir et la vie en général. C'est le premier long métrage écrit et réalisé par Jean-Carl Boucher. Pour ce projet, commencé il y a 7 ans, il a voulu s'entourer d'amis. Parmi eux, Antoine Desrochers, Simon Pigeon, Karel Tremblay et Pierre-Luc Funk. J'écris ma propre réalité, tu comprends? Pierre-Luc Funk n'a vu le film que tout récemment. Son ami Jean-Carl voulait préserver l'effet de surprise. Moi, la première fois que j'ai vu Flashwood, c'était la première. J'ai adoré ça, justement. Je pense qu'il a bien fait de ne pas vouloir me le montrer parce que l'effet que ça a fait de voir le produit fini, là, c'était vraiment un coup de poing d'en face pour moi de faire « Oh mon Dieu, mais ça fait 7 ans qu'on a fait ça, qu'on tourne ce film-là, qu'on pense à ce film-là. » Je pense qu'il faut regarder le film en se disant qu'il n'y a pas nécessairement... Parfois, il n'y a pas de réponse dans certaines scènes, mais le film, il faut le regarder un peu à double sens en se disant c'est plus ce qu'on ressent que ce qu'on explique puis ce qu'on raconte, en fait. Puis il y a beaucoup de personnages, donc c'est ça aussi, si tu t'accroches à un personnage, tu vas voir le film complètement différemment que la personne avec qui tu es allé voir, qui va s'être accroché à quelqu'un d'autre dans le film. Puis c'était un peu ça le but, je voulais que ce soit une expérience chorale. C'est bizarre à dire, mais il faut un peu travailler en regardant le film. Le destin. Mais longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. C'est l'accomplissement de l'enfance, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup, comme j'arrête pas de revoir des images de nous, avec la petite caméra Jean-Carl, puis là, je me dis, là, on est en train de faire la promotion de son premier vrai long métrage où on est acteur dedans. C'est juste ça qu'on voulait, tu sais. C'est faire des films créés ensemble. Le film Flashwood prendra l'affiche au Québec le 7 août.